Le monde, il me dit que c'est la caverne de... Le vasche da bagno, anche le barche, servono per proteggere i libri dall'acqua alta, quando viene l'acqua alta. Se non viene troppa, se no, se viene oltre la vasca da bagno, allora lì è acqua eccezionale e allora è un grosso problema. È 1910, è venuta due volte. Una era circa 160, 1,60 m sul livello del mare e quindi qui c'era 60 centimetri di acqua. Allora, je vous explique là, on appelle le ferro, le fer. Quelqu'un, ils appellent aussi le pourquoi fait. Mais et ça, tout symbolisme, ça, ce sont les quartiers de Venise, qui sont six, place la Giudecca de ce côté. Et ça, au milieu, ils sont les îles. C'est Murano, Burano, Torcello. Ça, c'est le pont de Rialto. Ça, c'est le chapeau de Doge. Et tout ça, c'est le Canal Grande. Voilà, c'est pas par hasard, c'est. Livres d'occasion, beaucoup, 18e siècle. 18e siècle, oui, et après beaucoup de livres d'occasion. Donc, il y a des gens qui, ça fait 30 ans qu'ils cherchent des livres, et ici on le trouve parce que j'achète des livres chez les privés. Alors, ici on trouve, ils sont très heureux quand ils trouvent un livre que c'est toute la vie qu'ils le cherchent.
Donc, la librairie française de Venise est née il y a 35 ans, par hasard, puisque j'habitais en France. J'habitais à côté de Metz. Et j'ai décidé avec Ornella, qui est italienne, de faire une librairie en Italie. Et le chemin nous a amené à Venise par hasard, complètement. Et disons que il y a 33 ans, j'ai décidé de faire vraiment une librairie française, un peu pour récupérer aussi ma culture, mes origines et tout. Et on a été aidé, au départ, on a été aidé par le gouvernement, puisqu'il donne des fonds pour constituer une librairie à l'étranger. Et ça a toujours bien marché pendant 35 ans. Puisqu'on a, on a travaillé avec toutes les institutions, les bibliothèques, on a travaillé avec les autres libraires, on a fourni des livres aussi. Ça a toujours bien marché et dernièrement, on a plus de difficultés, je pense, comme toutes les librairies. Alors, j'ai essayé aussi, au fil des années, comme ça, de m'occuper de la culture française, de voir comment on pouvait la divulguer à l'étranger. Et j'ai fait un café philosophique, comme on appelait ça à l'époque, un café philosophique, qui a bien marché pendant 2 ans. La première café, c'était « Vive la France !» point d'interrogation. Et le deuxième, c'était basé sur la rêverie et l'application dans tous les domaines. Ensuite, j'ai créé une petite collection qui s'appelle « Rapport d'étape » en 2000, il y a une dizaine d'années. En demandant aux écrivains français de passage, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains qui passent, qui s'inspirent de Venise, qui écrivent sur Venise, je dirais pas un peu trop. Je leur demande toujours de m'écrire un petit texte sur la ville, quoi. De faire un compte-rendu de 5-6 pages. Et je publie, on est sous forme d'association, on est 3. Je publie des petits livrets. Je publie des petits livrets sur Venise. J'en ai une 50aine jusqu'à présent. Fait artisanalement, c'est-à-dire on les fait à la main. Oui, c'est fait à la main, c'est plié à la main. On fait 100 exemplaires. Une fois qu'ils sont vendus, on ne les réimprime pas. Parce que l'argent est destiné pour en produire d'autres.